Je suis le tout quoi de tout. Il ne comprend pas pourquoi Dieu sur miséricorde permet-il au mangeur de la grande nuit d'accomplir son œuvre caritative. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis sur Sixième Sens dans le cadre des émissions spirituelles et nous sommes avec le génie de Brico, dit le docteur Amon. Vous avez suivi nos émissions et vous a présenté son village de Tessy. Les anneaux sont avec la reine Ablapoku dans l'émigration et Burnéen de Zakan. La reine était devant, les anneaux étaient derrière. Les anneaux ont assuré la garde rapprochée dans cette émigration. Et aujourd'hui, ce qui se passe ici, c'est la tradition qui se perpétue. Nous sommes avec le génie de Brico en plein dans son village. Il va vous inviter justement parce que chaque année, il en est ainsi. L'Anaya, c'est la nouvelle année. C'est, j'allais dire, l'igname de Fouflet. Qui va donc être partagé. D'abord, le chef sera le premier à manger, ainsi la population pourra manger. Docteur Amon, une invitation devant la caméra à tous les Blancs, qu'ils soient en Allemagne, qu'ils soient en France, aux États-Unis, au Canada, tous ceux qui t'appellent quand ils te voient à tes émissions, fais-leur cet appel, cette annonce. Merci Ibrahim Bagné. Ici, c'est chez moi. Voilà le chef de village. Mon ami. Voilà ce notable. C'est Ekra Kwasi. Voilà le chef de village. Monsieur Nana. Mon ami. Ici à moi, deux. Voilà notre grand-mère. S'appelle Nandi Akwasi. Nana Akwasi. Le devant, le notable. Donc, tous ceux qui me voient toujours au Canada, comme aux États-Unis, comme la France, parce que. Le micro. Parce que si je parle en français, parce que le blanc qui m'appelle, et puis toujours il me voit à la télévision internationale, il me voit, et il ne sait pas qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe chez moi au village. Donc, je vous dis, tout ce que j'ai dit là-bas, et puis vous voyez, et vous vous déplacez en France, vous pouvez venir voir comme le blanc, comme le noir, comme le Canada, en Allemagne, tous les pays que je cite, il y a tous des gens dedans. Donc, voilà chez moi, au village, à Tétézi. Donc, docteur Amon, de Genoux de Brico, voilà son chef de village qui est là. Voilà. Son grand frère, mais on se dit, il est notable, il ne veut pas dire que c'est mon grand frère. Bon, voilà lui, je le salue. C'est Ekra Kwasi, et son notable, voilà mon papa, on se dit, n'est plus de mon papa, c'est mon grand-père. Il s'appelle Amon Yao. Donc,
Et il y a un qui donne, ne se sent pas bien, il est parti. Vous avez beaucoup quoi. Donc, c'est celui-là qui tient le village. Parce que nous, on est des enfants. Mais comme c'est notre grand-père qui a créé, et nous on est nés dedans, et on va mourir dedans. Donc, je vous dis, voilà mon village. Je dis, tous ceux qui viennent, qui pensent que ce sang-pain est fait, on se dit, vous voyez, sur l'international, deux mondes. Donc, tous ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à m'appeler. Et l'année prochaine, le même jour, ils peuvent venir. Merci, on a fait notre travail. Le génie de Picmo. Le génie de Picmo. Docteur Amon. Bien, je voudrais, à sa suite, expliquer un tout petit peu ce qui vient de se passer sous vos écrans. Il y a eu tout à l'heure l'adoration des tabourets ancestraux. Tous les chefs qui se sont succédés dans ce village, chacun a un tabouret. Ainsi, avant que le chef ne goûte à l'igname, au nouvel igname, il y a que les ancêtres doivent d'abord en manger. Ainsi, il y a l'igname rouge, l'igname blanc, que vous avez vu tout à l'heure, que vous continuez de voir sur vos écrans. L'igname rouge symbolise la protection, le combat. Et c'est pour ça que c'est la couleur rouge. L'igname blanc symbolisant la paix, la prospérité. Vous avez vu l'immolation de la bête, d'abord un poulet, et le poulet qui va donc être immolé sera opéré. Il y a là-dedans une partie qui va montrer que les esprits ont accepté le sacrifice. Cela a été fait, et ensuite on a immolé le... Donc vous voyez... Il y a une procession. Vous voyez ici ceux qui accompagnent le chef, le Tawakhane. C'est la danse du chef, une danse royale qui va s'exécuter sur vos yeux. Voilà. Nous sommes en pays à Tétessi, Tétessi, en pays à Tétessi. C'est parti. Nous voulons